Robert Pires critique lourdement Messi et Neymar. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va rebondir sur le propos de Robert Pires et également sur le propos de Neymar. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot, ici nous on est passionné par le foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors les amis, il y a quelques jours, Neymar a fait une interview sur un média brésilien en disant que Messi et lui, ils ont vécu l'enfer au PSG. Et du coup, donc, ces propos ont vraiment fait parler, notamment au niveau des médias français, les consultants, les journalistes, etc. Et à juste titre, ce que moi je voulais dire à Neymar ici, c'est que Neymar, s'il a vécu l'enfer au PSG, c'est en grande partie à cause de lui. Parce que lorsque tu arrives dans un milieu, tu fais l'effort de t'imprégner de cette culture. Lorsque tu arrives dans un milieu, première des choses, fais l'effort de parler la langue. La première des choses. Neymar ne s'est jamais investi pour parler le français. On voit Vitinha. Vitinha parle déjà bien français, il parle, tu comprends ce qu'il veut dire. Donnarumma se bat, mais Neymar n'a jamais fait cet effort. Neymar n'a jamais fait cet effort. Lorsque tu arrives quelque part, fais l'effort, peu importe l'endroit. Tu arrives au Canada, tu arrives aux États-Unis, en Suède, fais l'effort de t'imprégner dans la culture. Fais l'effort. Neymar ne l'a jamais fait. Comment tu penses que les supporters vont t'aimer? Lorsque les supporters te donnent de l'amour en retour, lorsqu'ils constatent qu'il n'y a pas cet amour en retour, à un moment donné, les supporters vont s'enlacer. Les supporters vont s'enlacer. Et c'est le cas pour Neymar et Messi également. Donc, Robert Pires estime que ce sont des pleureuses. Et à juste titre, on te critique parce que tu as fait des choses qui ne sont pas bien sportivement. On te juge sur le sportif. On te juge sur le sportif. C'est inadmissible que tu ne peux pas jouer au poker, tu n'es pas professionnel, tu manques de respect à l'institution, etc. Tu penses qu'on va te prendre au sérieux. Donc, moi, je trouve que Robert Pires a raison. Neymar a fait une très mauvaise sortie. Très mauvaise sortie, les amis. Partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Est-ce que tu es d'accord avec Neymar ou pas? Est-ce que tu comprends Neymar? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ce sont à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.